Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes bienvenus à ce dîner républicain que nous avons pour tradition d'organiser chaque année. Malheureusement, il y a eu le Covid et il y a eu une interruption pour un certain temps. Moi, croyez nous endiguer dans des problèmes individuels et futiles, à travers des hadouhs qui racontent des mensonges et dont personne n'est Dieu. Donc, tout cela, c'est de l'eau qui glisse sur les plumes de gala. Nos pensées vont à nos prisonniers. Ce sont eux qui occupent l'essentiel de nos préoccupations. Quand on adhère au MAC, on n'adhère pas pour des bonbons, on n'adhère pas pour des postes, on n'adhère pas pour des salons, on n'adhère pas pour des mondanités, on adhère pour l'autre. Assumer des risques que mérite le droit du peuple kabyle à sa liberté. Tous ceux qui sont en prison et les sacrifices qu'ils y construisent sont ce qui fait avancer la cause kabyle vers son indépendance. Nous avons forcé par notre placidité, notre sérénité à faire sortir le pouvoir de ses gonds et à montrer sa véritable nature. Il défend le droit des peuples à l'autodétermination à travers le monde, mais il le réprime en Kabylie. Pourtant, ces mêmes droits, ce sont les mêmes peuples. Et pris de liberté, la Kabylie en fait partie, le peuple Kabylie en fait partie. Quelles que soient les intimidations, quelles que soient les menaces, rien, mais absolument rien
de nous faire bouger d'un iota sur notre détermination à arracher notre indépendance. Une embrigade à tour de bras de 5 personnes soumises au chantage, soumises à la pression pour raconter des immondices contre nous. Mais nous sommes blancs comme neige. Nous assumons nos devoirs envers les nôtres, quels qu'ils soient. Il n'y a pas de discrimination chez nous dans le traitement des prisonniers ou des victimes de la répression ou de quelques intimidations que ce soit. Nous continuons. Nous avons forcé le respect de la Kabylie. Nous avons amené le pouvoir à croire et à faire en sorte que tout ce qui est Kabylie est Mac. C'est une victoire déjà, et de toutes les façons, il a raison de le croire. Rien de ce qui est Kabylie n'est autre chose que du Mac. Et fraternité. Nous sommes des démocrates et la démocratie consiste justement à reconnaître la divergence d'opinion et la différence de proposition. Cela n'entend en rien la valeur ancestrale de la qualité qui fait que nous sommes tous, dès lors que nous sommes un même peuple, nous sommes une même famille et nous avançons à grands pas. Notre main est tendue. Tous ceux qui croyaient que nous ne pouvions pas organiser un dîner de cette qualité et de cette nature en restent pour nous faire. La tactique employée contre nous ces derniers temps est bien sûr la terreur. N'importe qui est contraint de réfléchir à deux fois avant de prendre une photo avec le drapeau Kabylie ou avec un militant à un cadre du Mac. Ils ont fait du retour à la Kabylie, du voyage en Kabylie, un privilège. Les gens sont exclus de leur territoire, sont bannis de leur terre Kabylie, et on leur propose à certains, si vous voulez retourner au Kabylie, nous connaissons le général, il va vous faciliter l'entrée et la sortie. Je vous garantis qu'il peut vous faciliter toutes les entrées, mais pas les sorties. Et quand vous êtes là-bas, c'est le président. Nous avons développé des partenariats avec tous ceux qui travaillent pour réduire la répression en Kabylie, atténuer la pression et l'oppression qui s'exerce sur la Kabylie. Nous rendons hommage à ceux qui ont initié Action pour la Kabylie qui organise une marche le 12 mars ici à Paris. Et nous, de toutes les façons, je vous invite tous à y participer, bien sûr. Et nous appelons d'ores et déjà à la marche du 16 avril, donc pour la marche traditionnelle qui est la nôtre et que nous n'oublierons pas. Je n'oublie pas de vous dire que beaucoup de projets sont en cours, dont celui de la Constitution, et une proclamation de cette Constitution dans un délai tout à fait raisonnable. Et donc, la proclamation de la naissance de l'État kabyle moderne et de la renaissance de l'État kabyle de ce qu'il était bien avant. Donc ce ne sont pas les tracasseries policières, judiciaires que le pouvoir
Mais sur notre route, ce n'est pas le fait de nous traiter des terroristes, alors que nous sommes les plus, comment dire, pas les plus pacifiques, les plus angéliques du monde. Ce n'est pas parce que nous nous traitons des terroristes que les gens prennent leur déclaration pour de l'argent comptant. Non. Les gens nous connaissent et jusqu'à présent, aucun pays n'a emboîté le pas d'Algérie pour traiter le MAC de terroristes. Donc, le MAC est un mouvement d'autodétermination pacifique, un mouvement de libération d'un nouveau type. Parce que tous les mouvements de libération connus jusqu'à présent étaient violents. Nous sommes des pionniers. Un mouvement qui travaille pacifiquement par la persuasion et en se basant sur le droit international pour arracher le droit du peuple kabyle à s'exprimer démocratiquement sur sa propre souveraineté. Voilà. Nous continuerons, payant encore, nous honorons, je vous le garantis, nous sommes là. Et je vous souhaite bon appétit, mais auparavant, nous avons quelques invités qui vont prendre la parole et je vous remercie. Des nuances et même des différences. Cependant, ma présence ici, je voudrais souligner une chose qui me tient à cœur, c'est qu'à travers tous les prisonniers de Kabylie, c'est le procès de la Kabylie plurielle que se joue devant le pouvoir. Il y a dedans des indépendantistes, il y a des souverainistes, il y a des fédéralistes, il y a des autonomistes, il y a des Kabyles lambda. Et ça se fait dans l'indifférence totale. Le deuxième élément, c'est que les condamnations à mort de 49 militants, me semble-t-il, suite aux incendies de 54, pardon, merci de me rappeler, suite aux incendies criminels, ça a masqué en fait l'impéritie de l'État, qui n'a pas été à la hauteur pour sauver les populations. Et cette condamnation à mort, alors qu'il y a des citoyens algériens qui ont des mains sur le sang, qui sont reçus au niveau des institutions de la présidence de la République. Donc c'est toutes ces questions qui doivent nous interpeller, nous agiter. Je vous dis que la Kabylie est peut-être aujourd'hui mûre à retrouver une certaine, on va dire, communauté de destin, en se respectant les uns les autres, et mettre en perspective disons, la fraternité d'abord, et parce que nous avons un ennemi en commun, c'est notre émancipation. Voilà, je vous remercie. Je tiens à remercier tous les organisateurs de cette soirée magnifique. J'ai été honoré de participer à cette soirée au nom de l'Association franco-marocaine des droits humains. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie à la ministre du Président. Ce ne serait pas long. Ça aurait été le MAC une organisation terroriste. Je ne serais pas là. Je serais pas là. Parce que parmi les principes pour lesquels et pour lesquels notre association lutte, c'est contre le terrorisme. Parce que le droit à la vie, c'est un droit universel. Ouais. Si le MAC était une organisation terroriste, pardon, je le répète pour une autre fois, je ne serai pas là. Et je serai ravi d'être parmi les plus grands. Merci. Bien écouté. Je vous remercie.
vraiment ému, hein, sincèrement, quand je vois en 2001, quand on a fait le MAC, les événements de 2001, et j'ai vu aujourd'hui, nous sommes entrés dans une véritable institution, c'est un chemin bien traversé. Et voilà qui a eu mes pensées en premier lieu à nos deux ténèbres politiques et à leurs familles, et aussi aux 50 condamnés à mort. Vous imaginez 50 condamnés à mort à nouveau pour quelque chose qui n'est pas des condamnés qui ont été, enfin des citoyens qui ont été condamnés alors qu'ils n'étaient même pas sur les lieux de l'événement, mais qui ne sont pas accusés. Avec, quand je me revois effectivement, tout ce qu'on a sur des crachats, de traverser à toute heure de la journée, de la nuit, 3h du matin, 4h du matin, pour aller à la cabine de Sitif, dans la cabine de Bogbar, à l'Irche. On a fait toute la capillaire ensemble, tout ça. Vraiment, on a traversé, puis on a fait du village tout entier, on a fait. Et là, je suis venu, enfin, à l'époque, moi, je suis resté autonome, c'est là que je vais vous dire, voilà, il faut que vous sachiez. Bon, mais je suis d'indépendance de la capillaire, mais je n'ai pas du tout, bien le contraire. Je suis resté autonome pour l'instant, je suis dans le RPK. Mais je suis très heureux d'être là aujourd'hui parmi vous. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Je vous remercie.